L'État nous autorise à porter des armes à feu. Il dit que nous sommes la dernière tribu de Chine à en posséder. Avant, il y avait des bandits. Nous devions protéger notre village et ses habitants. On nous donne des armes à feu quand nous avons environ 15 ans. Une fois devenus adultes, nous sommes autorisés à posséder un fusil. Aujourd'hui, nous utilisons les fusils en tant qu'accessoires pour nos spectacles. Nous n'avons pas le droit de tirer sur des animaux. Nous sommes censés les protéger. Nous avions des vies vraiment difficiles auparavant. Mais maintenant, nos coutumes et des vêtements de minorités ethniques attirent l'attention sur nous. Nous sommes très pauvres, alors le gouvernement a créé pour nous une zone touristique.